مولانا يا مولانا احفظنا في دنيانا مولانا يا مولانا. السلام عليكم mes frères et sœurs, je vous souhaite un très bon jour du vendredi. Sachez mes frères et sœurs que la foi est la meilleure des œuvres selon le jugement de Dieu. Il est impératif pour le musulman de connaître les choses qui vont sortir de l'islam afin de les éviter et de conserver sa foi. En effet, celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Prenez garde à l'apostasie qui est un grand danger. L'apostasie est ce qui rompt l'islam et l'annule. Que Dieu nous en préserve, incha'Allah. C'est-à-dire que la personne qui était musulmane sort de l'islam. Elle n'est plus musulmane. L'apostasie est de trois sortes. Par les croyances, les actes ou les paroles. Celui qui chute dans l'apostasie perd la récompense de toutes ses bonnes actions antérieures. Et s'il meurt sans être revenu à l'islam, en prononçant les deux témoignages, « Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Mohammed est son messager », il entrera en enfer pour y demeurer éternellement. Le musulman doit donc apprendre ce qu'est l'apostasie afin de s'en préserver et ainsi conserver son islam. N'oubliez pas que celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Nous vous invitons donc à découvrir nos nouveaux rappels vidéo consacrés aux choses qui font sortir de l'islam, afin de pouvoir les éviter. Nous donnerons des détails au sujet de ce que doit faire une personne qui a commis une apostasie. Je demande à Allah qu'il nous préserve des mauvais actes, des mauvaises paroles et des mauvaises croyances. Barakallahu fikum wa salam alaykum. وارزقنا حسن العمل واحفظنا سوء العلل كرما زدنا إيمانا كرما زدنا إيمانا كرما زدنا.